Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez la tempérance, le soleil, le jugement, eh bien, la tour, le cavalier de bâton et la reine d'épée. Vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc c'est une semaine avec des énergies qui sont vraiment fortes, présentes pour vous les cancers, qui vont sans doute vous impacter au-delà de cette semaine. Des bonnes énergies quand même parce qu'il s'agit de retrouver une harmonie, de vous retrouver vous déjà, de renaître à vous-même, de revenir à qui vous êtes profondément, de suivre un appel, alors un appel vers quelqu'un, un appel vers quelque chose, un appel vers une vocation, mais de suivre du nouveau. Alors du nouveau qu'il l'est et qu'il ne l'est pas, parce que avec ce jugement-là, cet appel profond, c'est nouveau dans le sens où on ne l'a pas forcément intégré dans notre vie de tous les jours, mais c'est pas nouveau dans le sens où ça fait partie de nous très profondément depuis longtemps. On l'avait simplement mis de côté, quelque chose qu'on aimait, un boulot, un rêve, des fois c'est pas très clair, c'est-à-dire qu'on avait une sensation du type de relation qu'on aurait souhaité depuis longtemps ou du type de d'activité qu'on aurait souhaité faire dans la vie, mais c'était pas hyper bordé, on n'a pas une liste avec des cases à cocher, vous voyez ce que je veux dire, on est plus dans la sensation. Et là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous ramène profondément à qui vous êtes, qui vous remet sur les bons rails, et vous le sentez, hein, parce que vous voulez vraiment de la lumière, de l'harmonie, de la chaleur, et tout ça, vous êtes en chemin, ça implique aussi de déconstruire quelque chose, ça peut être une situation, de laisser une situation qui tient plus debout, la laisser partir, ça peut être une déconstruction aussi mentale, de laisser partir des idées, des croyances qui ne vous servaient plus et qui vous ont justement écarté de qui vous êtes vraiment et de ce qui est vraiment fait pour vous. Alors, si je prends les choses dans l'ordre, vous démarrez cette semaine avec l'énergie de la tempérance, une énergie lente, tranquille, douce, bienveillante, chaleureuse, qui vous parle d'harmonie, alors d'harmonie en vous-même, et puis d'harmonie dans vos relations. Avec la tempérance, on cherche la voie du milieu, on cherche la médiation, on cherche à fluidifier les échanges, on cherche à s'entendre. Alors quand je dis s'entendre, c'est s'écouter l'un et l'autre quand on se parle, et puis il y a cette notion de mettre de l'eau dans son vin. Parce que la tempérance nous dit, il n'y a pas une meilleure voie qu'une autre. La voie que tu cherches, celle qui va être la plus harmonieuse pour toi, j'en bafouille, la voie qui va être la plus harmonieuse pour toi, c'est justement certainement un mélange des deux, de ta voix à toi et de la voix de la personne avec qui tu interagis en face, de tes parts d'ombre et de tes parts de lumière, des choses auxquelles tu tiens de ton passé et puis des choses nouvelles qui arrivent dans l'avenir. Vous voyez, on a cette notion d'avoir deux pôles qui au premier abord ne matchent pas nécessairement tout de suite, mais avec la tempérance, on est dans une fluidité, dans une approche tranquille et harmonieuse pour essayer de trouver le point de rencontre qui va faire qu'on va se sentir en équilibre, on va se sentir dans une position juste. Juste parce qu'il y a un terme de notion de justice, c'est juste pour nous, mais il y a de la justesse là-dedans. En tout cas, c'est une énergie qui est très, très douce et bienveillante. Donc en vous-même, vous êtes animé par de la douceur, de la bienveillance, la volonté d'avoir des contacts harmonieux avec votre entourage, la volonté d'être bienveillant envers vous-même aussi. Et dans votre environnement, il y a beaucoup de douceur et de bienveillance également. Ce que vous voulez profondément,
Le soleil, la plus belle carte du tarot, la carte la plus lumineuse. Donc vous voulez étendre cette énergie, vous voulez encore plus de chaleur, de bienveillance, de communication fluide, sereine, chaleureuse. Il y a vraiment cette notion avec le soleil où on est ouvert à son entourage, on est dans une gaieté, dans une légèreté. Vous voyez, sur cette carte, on a, si le focus veut bien, voilà, ce sont deux enfants qui jouent ensemble et qui se retrouvent. Donc vous voulez de la chaleur dans vos relations, vous voulez être bien avec vous-même, vous voulez, en partant de cette tempérance qui cherche l'équilibre, vous voulez vraiment une réunion. Le soleil nous parle également de se réunir, de se retrouver, et vous voulez vous retrouver dans de la chaleur. Le soleil nous parle également d'accomplissement, de réussite. Donc vous voulez briller dans ce que vous faites, dans qui vous êtes. Vous voulez retrouver, je dis retrouver parce qu'on a le jugement ici, je vous en parlais, il y a une notion de renaissance, de revenir à soi-même. Donc si vous vous sentiez un peu perdu dans les méandres de vous-même, un peu éloigné de qui vous êtes vraiment, un peu éloigné du type de relation qui vous réchauffe vraiment le cœur, un peu éloigné du type d'activité qui vous anime vraiment et qui vous donne envie de vous lever le matin parce que vous sentez que c'est vraiment fait pour vous. Vous voulez ce type de reconnaissance, de réussite, vous voulez aller vers votre juste place, votre vraie place. Et vous voulez vous éclater aussi, et pas tout seul. Avec ce jugement, ça c'est comment vous vous sentez. Donc vous sentez que quelqu'un, quelque chose vous appelle profondément. Pour certains, j'ai une notion de couple. Si c'est pas couple, c'est une interaction avec quelqu'un, une personne chère à votre cœur. Et vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose avec cette personne. J'ai cette notion d'avoir deux voies et de communiquer avec quelqu'un dans la tempérance et de chercher la voie du milieu. J'ai cette notion de retrouvailles ici et de retrouvailles chaleureuses avec le soleil, et ça c'est ce que vous voulez. Et puis sur cette carte du jugement, cette carte du jugement peut représenter l'âme sœur également, avec une notion de karma, une personne pour laquelle vous sentez qu'elle est dans votre vie peut-être depuis un moment. J'ai pas la sensation que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, puisque vous êtes déjà en train d'interagir, vous voulez vous retrouver. Bon, si c'est quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, il est possible que vous ayez cette sensation que vous vous connaissez déjà et que vous vous connaissez déjà depuis longtemps. J'ai cette notion de, vous voyez, cet homme et cette femme-là qui, voilà, cet homme et cette femme qui sont en train de sortir des caveaux et de se redresser et d'aller l'un vers l'autre avec cet enfant juste derrière qui les observe et au-dessus les anges avec ce cœur ici. J'ai une notion dans le... Bon, le focus c'est comme d'habitude. Oui, voilà. J'ai une notion d'être touché dans votre cœur par une relation très particulière. Il y a une personne, vous savez certainement de qui je parle, hein. Il y a une personne dans votre entourage à laquelle vous tenez beaucoup et avec qui vous êtes en train de chercher une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de partager des choses, d'être ensemble. Il y a un retour à l'harmonie qui est en train de s'opérer lentement avec cette tempérance. Et vous êtes en train également de chercher la voie, tous les deux. Mais vous sentez que d'anciennes façons de faire, d'anciennes façons de communiquer, d'anciennes idées que vous aviez à propos de cette relation ou de la façon dont vous deviez interagir avec cette personne, tout ça, vous le laissez derrière vous, ça s'écroule. Avec la tour, il y a une notion de rapidité, d'immédiateté. Soit c'est quelque... Alors, je vous rassure tout de suite, vous l'avez en force, ok? Donc c'est pas quelque chose qui va venir vous chambouler et vous mettre au 36e dessous, pas du tout.
Avec cette tour, on a une notion, et là j'ai encore ces deux personnages, mais qui cette fois ont la tête à l'envers et dégringolent de la tour. J'ai vraiment cette notion que dans une interaction avec quelqu'un, ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être un ami, un membre de la famille, mais quelqu'un de proche, une personne à laquelle vous tenez vraiment, vous êtes en train d'opérer un renouveau parce qu'une ancienne façon de communiquer ensemble, une ancienne façon d'être ensemble, se casse la figure. Et vous prenez conscience que l'ancien modèle n'est plus viable. Et pour avoir des relations vraiment harmonieuses, vous êtes en train d'y travailler, vous êtes en train d'opérer cette... J'ai envie de dire cette mise à jour, oui, il y a comme une mise à jour dans une relation. Et vous êtes en train d'opérer ce travail, de communiquer différemment, d'écouter l'autre autrement, de vous faire entendre vous de la même façon autrement. Et tout ça pour revenir vraiment, de vous montrer aussi peut-être sous votre vrai jour. Pour certains, c'est une personne qui compte beaucoup pour vous, mais qui n'est pas nécessairement dans votre entourage depuis très longtemps. Et peut-être que vous aviez commencer à interagir avec cette personne. Quand on rencontre quelqu'un, surtout si c'est dans le domaine amoureux, on a tous et toutes tendance à montrer les meilleures parts de nous d'abord, et donc on ne se montre pas réellement intégralement tel qu'on est dès le départ. C'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure. Avec cette carte du jugement, il y a cette notion de se montrer, de renaître à soi-même, donc de se montrer réellement qui on est dans sa vérité vraie, dans sa nudité de cœur et d'âme. Donc si c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, vous avez à cœur que ça soit vraiment harmonieux, chaleureux entre vous, et vous sentez que c'est pas la bonne méthode d'essayer de cacher des choses de vous, il vaut mieux être vraiment tel que vous êtes. Donc vous êtes en train d'interagir différemment. Et pour ceux qui ont une personne depuis bien longtemps dans leur environnement, là, il s'agit vraiment de laisser derrière vous des habitudes aussi. Avec cette tour, vous voyez, la tour, elle reste toujours debout. Les fondations ne sont pas du tout touchées par cet éclair. La tour, elle est foudroyée uniquement sur le haut. Symboliquement, c'est la tête, c'est les pensées, c'est l'ego, c'est les croyances, c'est toutes les choses selon lesquelles on se comportait, on avançait, des règles intérieures qui nous disaient, la façon de se parler, c'est forcément toujours comme ça, comme ça, comme ça. La façon d'être ensemble ou les choses qu'on partage, c'est forcément ça et ça et ça. Dans mes valeurs, ma façon d'interagir ou les choses que je veux défendre, auxquelles je tiens par rapport à l'autre, c'est forcément ça et ça et ça. Et là, en force, on a comme une sorte aussi de révélation, d'épiphanie. Vous avez un éclair de génie. Tout à coup, vous voyez clair, c'est limpide, qu'il y a des choses avec cette personne qui marchaient peut-être, qui ont peut-être marché pendant longtemps, mais maintenant, c'est plus d'actualité. Cette tour, elle vous dit... C'est dans ta force cette semaine de laisser s'écrouler quelque chose, et notamment de laisser s'écrouler quelque chose dans ton relationnel, et plus particulièrement certainement avec une personne, de laisser s'écrouler quelque chose dans ton relationnel, pas que la relation soit vouée à l'échec. Une fois encore, cette tour, vous l'avez en force, donc ne flippez pas, tout va bien. Mais il y a quelque chose à laisser derrière vous, à déconstruire, à laisser s'écrouler. Et vous savez, vous sentez très certainement... Ce que c'est, vous êtes mieux placé que moi pour connaître les détails. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous savez, vous sentez ce que c'est, et vous savez que pour être vraiment en pleine harmonie, juste vous déjà, dans votre cœur, les anciennes façons de se parler ou d'être ensemble, c'est plus... ça marche plus, ça coince. Donc il faut passer à autre chose, il faut se réinventer. Et... Avec l'autre, il est possible, avec cette tempérance qui cherche à harmoniser, à fluidifier les communications, il est possible que vous ayez déjà eu des interactions avec cette personne, et que cette personne elle-même vous est... Oh, je suis désolée, je bafouille sur votre tirage, là j'ai déjà fait plusieurs tirages avant vous.
Et je vais boire un petit peu d'ailleurs, ça va peut-être m'aider. Voilà. Il est possible que cette personne vous ait déjà dit qu'il y a des choses qui lui conviennent plus. Et vous êtes en train de chercher comment vous réajuster à ça, en ne perdant rien de vous-même. D'accord? En challenge, vous avez le cavalier de bâton. Alors ce cavalier de bâton, quand il est bien aspecté, il est déjà très rapide. Donc la notion de rapidité cette semaine, hormis le côté prise de conscience, qui peut être très rapide et soudain, c'est plutôt des énergies où vous allez prendre le temps. Avec la tempérance, c'est tranquille, et vous finissez avec une reine d'épée qui ne se précipite pas. Elle, elle prend de la hauteur, elle analyse, elle voit loin, on ne peut pas lui faire à l'envers. Elle est dans la stratégie, elle calcule tranquillement. Il y a une forme de froideur, de hauteur, alors pas que vous ressentiez rien, mais de prendre vraiment de la hauteur par rapport à la situation, par rapport aux émotions, et de ne pas se précipiter dans de l'action. Donc la notion d'action rapide, de vous emballer, de laisser le feu aussi s'exprimer dans une conversation par exemple, ça vous est déconseillé cette semaine. Ce cavalier de bâton, en général, il se lance et il est très enthousiaste et très motivé parce qu'il sait exactement ce qu'il veut. Il sent qu'il est très attiré par quelque chose ou quelqu'un. Et il sent qu'il est tellement à sa place et que c'est tellement fait pour lui que il part à l'abordage. Il se jette dans l'action et puis le reste, les détails, on verra ça ensuite. Alors, soit vous avez un peu de mal justement à être plus démonstratif. Certains sont justement dans cette recherche d'équilibre et vous avez un peu de mal cette semaine à être dans la démonstration, dans le fait d'aller au-devant de cette personne, de dire, de faire, de parler, de vous laisser aller. Vous êtes beaucoup plus dans la retenue et dans l'analyse de ce que ça implique. Vous pouvez également avoir un petit peu l'effet inverse, c'est-à-dire en challenge, en sentant que quelque chose est justement en train de se déconstruire, vous pouvez avoir le réflexe, hein, qui est humain et totalement normal, de vouloir vous accrocher un peu, surtout pour ceux qui sont dans une situation qui date vraiment pas d'hier. On a pris beaucoup d'habitudes et c'est pas évident de lâcher des habitudes comme ça d'un seul coup. Donc il peut y avoir une énergie un peu vive qui pour le coup ne va pas vous porter. Alors vous êtes prévenu, hein, c'est une météo que vous avez à l'avance, donc vous allez pouvoir rééquilibrer. Si vous voulez vraiment de la chaleur, de l'harmonie relationnelle, essayez de ne pas vous précipiter sur la personne, essayez de ne pas être trop non plus dans le côté pas autoritaire, mais bon, d'essayer de. Ce cavalier de bâton mal aspecté, il pourrait penser à lui d'abord et puis pas trop écouter l'autre. Parce que moi, c'est ça que je veux et puis bah tu vas faire tu vas me suivre, forcément tu vas me suivre. Non, pas forcément. Donc mettez un peu la pédale douce. Si vous sentez que vous avez des élans de vouloir peut-être imposer des choses ou être un peu trop entreprenant dans une relation qui cherche justement son harmonie. Essayez de vous freiner un petit peu. Et si vous vous sentez au contraire déstabilisé par quelque chose qui est en train de partir, ne flippez pas, d'accord? Ça va dans le bon sens. Vous avez, c'est des arcanes majeures, c'est des énergies qui sont fortes. Donc il est possible que vous ayez vraiment des sensations fortes cette semaine, les cancers, et que par moment, vous ayez un petit peu de flip qui s'agite un petit peu là avec ce cavalier de bâton, une énergie un peu vive à l'intérieur de vous qui vous donne envie de vous accrocher un peu parce que vous sentez qu'il y a des choses qui vous échappent et c'est justement pour le meilleur. Donc laissez faire.
Je pense, très bien sentir où est la voie du milieu parce que vous avez cette reine d'épée en résultat. Donc, cette reine d'épée en résultat, je vous le disais, elle a une grande capacité de discernement et d'ouverture également. Donc, on ne va pas vous la faire à l'envers, cette semaine. Vous savez très bien distinguer ce qui vous convient de ce qui ne vous convient pas, ce qui est harmonieux de ce qui ne l'est pas dans la situation. Pour certains, ce cavalier de bâton, ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur, ça pourrait être l'autre. Je vous disais, faites attention à ne pas être trop pressant vis-à-vis de l'autre, mais les énergies sont interchangeables. Ça pourrait très bien être l'autre personne qui peut-être va essayer de vous pousser à vous faire avancer sur une voie qui n'est pas tout à fait la vôtre, ou essayer de vous pousser à continuer d'interagir comme vous interagissiez avant, mais vous sentez que c'est pas juste. Cette reine d'épée va pas se laisser faire. Elle va pas partir en cacahuète. La reine d'épée, elle, pour le coup, une énergie de lâcher prise, de laisser partir de l'ancien, ça lui pose pas de problème. Typiquement, cette reine d'épée, ça peut être la veuve, la divorcée. Alors je dis elle, c'est une énergie féminine, mais si vous êtes un homme, c'est OK aussi. Ramenez ça à votre contexte. C'est une énergie qui a déjà connu des deuils, des séparations, des moments où on prenait de la distance, où on n'arrivait pas à se parler. Et elle en a tiré beaucoup d'expériences. Ça la déstabilise pas émotionnellement. Elle sait que le monde ne va pas s'écrouler. Elle sait que ça n'enlève rien à sa valeur. Et elle a cette capacité d'être posée, d'être dans l'analyse, de communiquer très clairement, d'être capable également de trancher, de prendre une décision si le besoin s'en fait sentir. Donc, vous gardez vos ressources, vous gardez votre équilibre, vous n'êtes pas déstabilisé par cette situation. Vous la prenez tranquillement, vous voyez où ça va, cette reine d'épée voit loin également, donc vous faites des plans sur l'avenir, et étant donné que ce que vous voulez, c'est vraiment la réussite, l'harmonie, la chaleur, la bienveillance, vous n'allez pas faire n'importe quoi cette semaine avec cette reine d'épée en résultat, c'est sûr. Ok? Donc tout ça va dans le bon sens pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a ici? Self-esteem, l'estime de soi, qui vous dit je possède les dons de l'âme qui bénéficient à moi et aux autres. Donc vous avez effectivement toutes les ressources en vous. Alors, soul, l'âme, l'esprit, cette carte, elle vous dit que vous pouvez avoir cette estime de vous-même, cette assurance, cette confiance en vous, que tout est en train de se mettre en place pour le mieux, déjà pour vous, et dans cette relation, parce que vous avez toutes les ressources en vous-même, dans votre esprit, donc dans votre mental, et au-delà de l'esprit, dans votre âme, dans ce qui vous connecte profondément à qui vous êtes, à l'univers, à votre intuition, votre petite voix intérieure, vous avez énormément de ressources. Et ces ressources-là, elles sont autant bénéfiques pour vous, pour garder des idées très claires dans cette situation, que pour les autres, pour trouver également l'équilibre avec l'autre, et peut-être pourquoi pas pour grandir. Le jugement, il y a cette notion de renaissance, de grandir, de revenir à soi-même, mais il y a deux personnages sur la carte. Peut-être que dans ce processus et avec vos ressources-là, non seulement vous vous aidez vous à vous retrouver et à grandir, mais il est possible que vous apportiez des ressources également à cette autre personne pour qu'elle aussi, elle grandisse et elle soit plus proche d'elle-même. Mais ça, après, c'est son chemin à elle et vous n'avez pas de prise là-dessus. Mais vous avez certainement des trésors en vous que vous amenez, que vous posez sur la table dans cette interaction et qui sont une occasion pour cette personne, si elle a envie de les prendre, de la saisir, je veux dire, de grandir elle aussi. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.